Nous sommes ensemble pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom et ils sont toujours avec nous sur ce plateau, Guy Mafimba, Mohamed Lee et Kabiné Camara. À présent, notre grand angle. La Chine est prête à négocier un accord commercial avec la communauté de l'Afrique de l'Est, la superpuissance cherchant à répondre aux plaintes selon lesquelles le bloc commercial composé de 6 pays d'Afrique de l'Est fonctionnerait avec d'énormes déséquilibres commerciaux en faveur de l'empire du milieu. Les précisions de Marcel Farba Maroun. La Chine prête à lancer des négociations commerciales avec la communauté d'Afrique de l'Est conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Un accord commercial a même déjà été envisagé, mais très vite, des plaintes exprimées par les autorités kényanes ont évoqué un déséquilibre dans les échanges avec la Chine qui avantagerait l'empire du milieu au détriment des pays formant cette communauté. Africa. L'Afrique a la capacité et l'aptitude d'atteindre son développement d'autosuffisance. En tant qu'étranger ou en tant qu'ami et partenaire, nous souhaitons simplement leur apporter une assistance, bien entendu, à la demande des pays africains. Les exportations de nombreux pays d'Afrique de l'Est vers la Chine, l'un des plus importants partenaires commerciaux, sont éclipsées par les importations de produits manufacturés tels que l'électronique et d'autres équipements d'usine. À titre d'exemple, en 2018, le Kenya a importé des marchandises d'une valeur de 370,8 milliards de shillings en provenance de la Chine, alors qu'il n'a exporté que pour 11,32 milliards de shillings durant cette période. Le développement de la base industrielle pourrait aider à rectifier ce déséquilibre, selon des spécialistes. Ce dont nous avons besoin, c'est des programmes qui vont au-delà de la politique. Ceci régirait ensuite les interactions entre le Kenya ou la zone de l'Afrique de l'Est avec la Chine en ce qui concerne même le développement des infrastructures, le transfert des connaissances, le savoir-faire technologique. À l'instar de plusieurs pays africains, le Kenya a eu recours à la Chine pour le financement de ses routes et voies ferrées. Il participe également à l'initiative La ceinture et la route ou route de la soie qui vise à améliorer les routes commerciales terrestres et maritimes entre la Chine et l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Kabiné Fofana, alors un accord commercial entre la communauté des États de l'Afrique orientale et la Chine est-il possible? Bien évidemment, puisqu'ils sont partis sur cette base. Mais la question essentielle, c'est peut-être de se demander à qui profiterait un accord entre la Chine et les pays de l'Afrique de l'Est, quand on sait qu'en termes d'apport, c'est pas la même chose. La Chine est quand même une puissance économique, mais d'abord une puissance commerciale qui est aujourd'hui très investie dans pas mal de secteurs, notamment l'agriculture et même dans les services. Il y a à se demander ce dont les pays de l'Afrique de l'Est sont capables d'apporter à une coopération comme celle-ci. Tout le monde accuse aujourd'hui la Chine d'être assez disproportionnée en termes d'accord, même dans le pays africain, quand on sait que les entreprises chinoises partent jusqu'à investir les secteurs traditionnels dans nos pays. Ça se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ces accords. Tout cela dépendra de la façon dont le contenu qu'on va faire valoir à des accords comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a quand même pas de question à se poser sur à qui va profiter. Est-ce que la Chine a plus à gagner que nos pays africains? Mohamed Lee, mais le Kenya qui évoque ce déséquilibre commercial énorme en faveur du géant économique asiatique n'est pas prêt à prendre part à ces négociations. Comment l'expliquez-vous? Là, je ne l'explique pas pour le moment, pour être honnête, parce qu'on demande une négociation, on ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Ce qu'il faut dire, c'est que la Chine est quand même la première puissance pourvoyeuse de financement d'infrastructures sur le continent. Et il y a une étude sérieuse qui a été faite. Quand on parle aux diplomates africains, la réponse qui revient, c'est qu'on ne négocie pas avec la Chine, parce qu'ils sont très contraignants. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est au moins qu'on peut constater, c'est que la Chine a un besoin de son image, de l'affiner et de la faire passer dans l'opinion publique africaine. Ça, c'est très important parce que stratégiquement, en termes d'investissement étranger et en termes de visibilité, c'est extrêmement important. L'Afrique pourront, parce que moi je mets en conditionnel, être, disons-le toujours, l'avenir du monde. Maintenant, au-delà des clauses initiales très contraignantes, il faut que les pays africains apprennent à négocier et quelque part à faire plier la Chine, même si cette vision est un peu trop ambitieuse.
En faisant comment? On a un exemple qui montre qu'au Kenya, pour un moindre kilométrage de voies ferrées, pour 470 km, ils ont été financés à 3,2 milliards de dollars. Et en Éthiopie, pour relier Addis Abeba et Djibouti, pour presque le double en kilométrage, cela veut dire quoi? Cela veut dire deux pays différents pour avoir deux, selon les marges de manœuvre de négociation. Donc les Africains devraient venir, et ça c'est un premier point que je relève, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Est puisse parler d'une voix et aller à des négociations, c'est extraordinaire. De deux, cela veut dire qu'il y a des possibilités de trouver des marges de manœuvre en discutant avec les Chinois. En faisant quoi? D'un, en exigeant les transferts de technologie, les transferts de connaissances, l'exigence des normes environnementales, ce qui est extrêmement important. Nous, nous l'avons plaidé en Afrique de l'Ouest, et j'ai demandé qu'on mette dans tous les codes de marché public des critères environnementaux dans les réformes. Et il y a aussi les critères de construction et une exigence sur la qualité des matériaux que nous demandons dans les infrastructures. Et en jouant sur ces leviers-là, on se rend compte, les États peuvent avoir plus de leviers pour discuter avec les Chinois. Et pour finir, et ça c'est vraiment des études étayées, et pour être honnête, qu'on partage entre think tankers africains, et qui m'a beaucoup interpellé, celle de Madame Soulé qui est une chercheuse, mais je pense que ça mérite d'être cité. Il faut éviter les négociations fragmentées, c'est ce qu'ils nous apprennent. C'est-à-dire que tant que c'est les grands ministères stratégiques connaissant les négociations dans ces pays-là, ils ont des contrats meilleurs que quand c'est les ministères techniques et petits qui s'occupent à faire ça. Il faut, même si de façon ponctuelle, appeler aussi aux expertises des cabinets d'avocats internationaux qui ont travaillé avec Exim Bank, qui connaissent, mais vraiment la connaissance et la culture chinoise. Il faut aussi, je pense, deux derniers leviers, et je m'en arrête là, c'est-à-dire partager, faire un partage d'expérience entre pays africains, parce que le Ila Touba que les Sénégalais ont financé avec un appui ou les Béninois, c'est différent et c'est très avantageux par rapport à ce qui a été fait par ailleurs. Et je pense qu'avec la ZLEC qu'on met en place, avec les sous-ensembles africains, avec une intégration qui monte, il est temps qu'on puisse avoir des postures stratégiques pour parler à un géant qui est la Chine. Et le dernier point, ce que n'aiment pas entendre souvent les pouvoirs africains, c'est-à-dire il faut qu'ils se rendent compte que la société civile africaine, c'est un levier et c'est une force. Cela veut dire qu'il faut qu'ils apprennent à écouter aussi les compétences de leur société civile, qui sont extraordinaires, mais il faut aussi en même temps s'appuyer sur cette société civile en intelligence économique. Je donne juste l'exemple des deux frères, Hamas et Rama. À chaque fois que Yasser Arafat est allé négocier avec les Américains, avec, il leur dit, ben écoutez, si vous ne me donnez rien à mettre sur la table, vous avez la Hamas, mon frère ennemi qui monte. C'est-à-dire c'est des leviers, mais très intelligents dans un pays. Et comme la Chine commence à être très sensible par rapport à son image et veut la lisser, et des fois, on peut dire aussi aux Chinois, d'ailleurs qui ont une réputation de produits pas solides, contrairement aux Allemands et autres, avec une société civile montante, sachante et vent debout pour les intérêts africains, je pense qu'au lieu de les éviter, nos pouvoirs africains devraient faire de nous et des partenaires et des leviers de négociation. – Alors, Monsieur Mafimba, quand la Chine fait mine de comprendre ce que dénonce le Kenya et propose de passer des accords pour corriger ce déséquilibre commercial en faveur du géant économique, est-ce qu'elle est crédible ?– Non, elle est contrainte. Parce que les Africains pensent que nous sommes dans un monde de bisounours. Non, il a dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Le monde, c'est un rapport de force. La Chine, c'est une puissance. Elle veut être la plus grande puissance au monde. Et la Chine d'aujourd'hui, c'est Deng Xiaoping qui a lancé cette inspiration libérale. Il faut aller conquérir les marchés. Il faut aller s'imposer ailleurs. Et Deng Xiaoping avait pris pour habitude de se dire, il nous faut être, pour avoir le contrôle du monde demain, il faut contrôler un certain nombre de secteurs. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Afrique de l'Est, comme en Afrique centrale? Je suis mieux placé pour le dire parce qu'en Afrique centrale, nous sommes en train de subir effectivement le partenariat Chine-Afrique. On est en train de subir les conséquences de ce partenariat. En Afrique centrale, par exemple, ils veulent avoir le contrôle des matières premières stratégiques. Nos smartphones, l'électricité de demain, c'est
en RDC, dans le bassin du Congo. Mm. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce que j'appelle, moi, ce dispositif pré-financement contre matière première? Nous sommes devenus l'otage de la Chine. C'est ce que moi j'appelle des dettes odieuses. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Est. C'est un réveil, mais c'est un réveil relativement tardif. Mais pourquoi je dis que c'est contraint? Parce que la Chine aujourd'hui a compris que l'autre géant, les États-Unis, monte au créneau pour dire si on laisse la Chine évoluer, nous allons perdre le contrôle du leadership mondial. Raison pour laquelle vous voyez bien que le Kenya devient de plus en plus, parce qu'il y a un cas assez grave, cette histoire du port. Parce qu'ils ont pris un prêt et ils n'arrivent plus à rembourser. C'est une concession de je ne sais pas combien d'années. C'est ce qu'ils ont fait chez nous. Nous avons par exemple la route de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, la plus grande route. Un prêt chinois. Nous n'arrivons pas à rembourser parce que nous sommes étranglés par la dette. Et c'est une concession à une société chino-congolaise de plus de 40 ans, 50 ans, puis non, 100 ans. C'est-à-dire que nous perdons même notre souveraineté. Alors, donc la Chine, pour répondre à votre question, est contrainte. Mais le frère l'a dit tout à l'heure, une fois qu'elle est contrainte, mais quelle est notre stratégie aujourd'hui pour imposer une coopération gagnant-gagnant avec la Chine? Et c'est là où nous devons convoquer les intelligences. Il y a des think tanks et autres, mais on ne saisit pas assez l'intelligence, l'expérience de ces think tanks pour bâtir des orientations stratégiques, pour aller négocier avec les Chinois. Et le frère aussi a dit, a déroulé un certain nombre de... Le transfert des technologies. Comment pouvez-vous imaginer que, je prends un exemple simple, chez nous, on vous construit un parlement, on vous construit un parlement, pré-chinois, très bien. Et on vous fait comme des dents du matériel informatique, des ordinateurs. Donc ils ont mis des puces pour, entre guillemets, aspirer tout ce que vous avez comme secret. Tout ce qu'ils vont, on va dire, ouais. Stratégie politique. Stratégie politique. Extrêmement. Mais c'est du jamais vu. C'est comme j'ai dit tantôt, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Les Chinois viennent pour s'imposer. Excusez-moi, mais ils n'ont rien à foutre de nos pays. S'il faut disparaître, nous disparaîtrons. Alors, Kabine Fofana, qu'est-ce qui pourrait aider à rectifier ce déséquilibre? Non, mais c'est une remise en cause des pays africains de façon générale. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'imposer à la Chine ce que nous voudrons, parce que la Chine, elle a véritablement besoin de nos matières premières. Moi, j'étais surpris, il y a deux mois, quand je suis passé aux États-Unis, j'ai remarqué qu'il y avait des think tanks chinois qui investissent le Parlement, le Congrès, qui sont au niveau du Congrès américain, et qui remontent toutes les informations, toutes les possibilités de financement, et les secteurs prometteurs aux États-Unis, et qui remontent. C'est exactement ce que nous devons faire. Et je pense que nous avons aujourd'hui, comme l'a dit les frères, on a la compétence qu'il faut. Il y a une société civile assez importante qui est capable quand même de réfléchir et de proposer quelque chose qui soit intéressant. Ça ne sert à rien de partir en rang dispersé. Moi, chez moi en Guinée, c'est la même chose. La Chine, elle est présente, elle fait ce qu'elle veut. Mais l'investissement, c'est que dans l'infrastructure. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de projet promoteur. Il n'y a pas de retour sur l'investissement. Il n'y a rien. Vous nous construisez des stades aux gens. Qu'est-ce que même vous allez faire avec des stades dont on parle, moi, je ne connais pas qu'un seul pays africain qui peut aujourd'hui se targuer de bénéficier de la technologie ou des compétences chinoises. Non. Lorsque vous signez des projets avec la Chine vient avec ses entreprises, elle apporte, elle vient avec la main-d'œuvre locale, elle est laissée pour compte. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que nos dirigeants ne sont même pas capables de voir au-delà de ces projets qu'ils signent, puisque derrière, ils vont empocher les millions de dollars. Il y a des corruptions. Ils ont tellement raison, j'ai envie d'étayer ça pour mon téléspectateur. Bah, aujourd'hui, j'ai compris que vous étiez en système d'information comme moi aussi, il y a un Kenya, pour parler du Kenya, à Konza, un data center qui va être construit par qui? Huawei. Qui est Huawei? Une société qui est en train d'être sortie des États-Unis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, vraiment, si juste sur aujourd'hui l'actualité, il y a, nous comprenons le positionnement de la Russie contre les États-Unis. Quand on ferme la porte à Huawei ici, la Russie le leur ouvre. Mais Huawei, ils ont
énormément d'intérêt à faire des data centers chez nous, à travailler avec nous, à développer leur 5G avec nous. Les Européens sont en train de fermer la porte au cas par cas. Il y a beaucoup d'études qui sont faites au niveau étatique. Il faut qu'on se rende compte. Et au-delà de cette demande de matières premières qu'on dit souvent, mais la Chine a besoin d'écouler son excédent, son excédent bancaire, son excédent financier. Mmh. Et ces Exim Bank, ces milliards qu'ils ont, qu'ils n'arrivent pas à absorber chez eux, ça n'a de sens que quand ils l'investissent ailleurs et qu'il y ait des retours d'investissement. Quand l'Afrique en sera vraiment consciente, nous avancerons, surtout en les mettant en concurrence, parce qu'ils ne sont pas seuls. Excusez-moi, il y a la Turquie. Il y a la Corée du Sud, il y a l'Inde, il y a les Émiratis, et nous avons tout pour faire. Il suffit juste ce qu'on appelle des stratégies d'intelligence économique à mettre en place, et par pays, parce que moi je veux voir la naissance de cellules de stratégie économique dans lesquelles on aura des grands stratèges, des généraux d'armée qui ont fait les grandes écoles du monde, comme ça se fait ailleurs, et aussi un besoin de coordonner cette stratégie, même si c'est très difficile, parce que nos intérêts peuvent quand même diverger, il faut le dire, même si on est africain, et d'y arriver comme ça. C'est la fin de cette deuxième partie de l'ANR. On marque une courte pause, on se retrouve pour la troisième et dernière partie.